m'a amenée à choisir la carrière de courtier immobilier, en fait, c'est tout mon background. Déjà en immobilier, j'ai fait mes études en droit, donc ma passion a grandi peu à peu et aujourd'hui, là, je suis très fière de dire que je suis courtier immobilier. Si je suis passionnée par l'immobilier aujourd'hui, ça vient vraiment de mon père. C'est vraiment de père en fils, puis ça m'a été transmis très jeune. Mon frère et moi, comme choix de carrière, on était policiers. On aidait les gens d'une façon en étant policier, puis, mais on aidait vraiment les entrepreneurs dans l'ombre. Puis ma première transaction, le courtier immobilier qui était impliqué, il a dit « Maxime, tu feras un bon courtier ». Fait que ça m'était toujours un petit peu resté dans la tête. On a pris notre cours de courtier, on a continué à aider les gens différemment, parce que dans la police, on aidait les gens d'une façon. Puis en immobilier, on continue à aider les gens. Fait que les gens qui disaient « Hey, c'est tout un revirement de carrière », pas tant que ça. J'ai joint le groupe Royal Lepage en 2020. Et qu'est-ce qui a motivé mon choix? Bien, je dirais que l'aspect humain de Royal Lepage, ses valeurs, je ressens qu'on est moins traité comme un numéro. C'est vraiment plus l'humain à l'avant. Dans mon cas, quand est venu le temps de choisir la bannière, ça, le processus a été quand même assez simple et très évident pour moi. Je voulais avoir des courtiers au sein de mon agence qui me ressemblaient, qui étaient simples, mais également performants. Je vous dirais que depuis que je suis avec Royal Lepage, mon chiffre d'affaires a grandi, donc c'est une bonne nouvelle. Je crois qu'une possibilité aussi d'être propulsé au niveau des médias, de pouvoir aussi donner nous-mêmes des sondages auprès de la population, de renseigner la population. Je pense que c'est un bon outil que Royal Lepage nous donne comme courtier. En arrivant chez Royal Lepage, ce qui m'a le plus surpris, c'est l'esprit de collaboration entre tous les courtiers. On est vraiment une belle grande famille et la qualité de nos courtiers est exceptionnelle. Et vraiment une bannière encore là, je dirais plus familiale, plus moins compétitive, plus englobante. Que lorsqu'on est bien encadré, mais ça nous aide vraiment à aller de l'avant. Puis Royal Lepage m'a toujours aidé, m'a toujours bien soutenu lorsque j'avais besoin d'aide. J'ai jamais été déçu à ce niveau-là, j'ai toujours eu réponse à mes questions. Je trouve que Royal Lepage était vraiment présent pour moi pour justement m'aider à évoluer. Ils n'ont pas peur d'avoir des leaders qui sont forts, les mettre de l'avant puis les encourager à vraiment aller vers un chemin d'entrepreneuriat, d'avoir des idées, les mettre de l'avant. Ils sont prêts à les écouter aussi, fait que c'est vraiment... C'était l'élément non négociable, c'était ça pour moi, d'avoir une bannière qui nous écoute puis qui soit là pour nous épauler dans notre désir de faire évoluer les choses. Ce qui m'a le plus surpris en arrivant chez Royal Lepage, c'est à quel point rapidement on est pris en charge par l'équipe. On n'est pas laissé à nous-mêmes, on a vraiment tous les outils nécessaires pour nous aider à performer et propulser notre business vers l'avant. Les outils qui m'ont été le plus utiles, je dirais que c'est tout le support marketing. Donc, que ce soit par l'image de marque, les logos utilisés, le publiopostage, il y avait déjà des formats préétablis qu'on pouvait utiliser pour ensuite se servir, que ce soit sur les réseaux sociaux, comme je disais, le publiopostage. Donc ça, pour moi, ça a été vraiment une valeur ajoutée. Pourquoi chez Royal Lepage? En fait, c'est après une réflexion, après avoir rencontré toutes les autres bannières. Pour nous, c'est un choix logique d'aller chez Royal Lepage parce que c'était la seule bannière qui était complètement en harmonie avec nos valeurs personnelles. Une entreprise qui est intègre, qui est reconnue au niveau national et qui a une image de marque reconnue. Puis ça, c'est vraiment des valeurs qui viennent me chercher personnellement. Pour moi, chez Royal Lepage, les valeurs qui m'inspirent le plus, je dirais que c'est le partage. Autant entre les courtiers, on se partage beaucoup, on a un esprit de collaboration, mais je dirais aussi tout le rayonnement de partage dans la communauté. C'est vraiment tout le côté humain. Donc, Royal Lepage a fondé la fondation Un toit pour tous qui vise à redonner à la communauté et principalement aux femmes qui sont victimes de violence conjugale. Ça, ça me parlait beaucoup. Donc, c'est important pour moi que les courtiers s'impliquent et je pense que c'est vraiment ça qui a confirmé mon choix d'agence. Inspirer confiance, c'est de respecter son engagement envers nos clients. Fait que si on dit quelque chose, on s'engage à faire quelque chose, c'est de le faire en tant que courtier. Puis je pense, en tout domaine de service, si on promet quelque chose à nos clients, c'est de tout faire en notre pouvoir pour remplir ces attentes-là puis respecter notre parole puis notre engagement. Le meilleur conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui aspire à devenir courtier immobilier, je dirais, c'est vraiment de se préparer, d'établir un plan d'affaires. Vous vous lancez en affaires, vous allez être des travailleurs autonomes. Donc, c'est vraiment important de faire toutes les étapes, de se faire un plan d'affaires puis de foncer. Je dirais aussi d'être persévérant.
d'être travaillant, d'être discipliné, puis de vraiment perfectionner sa communication, parce que c'est vraiment la base de la réussite. C'est un métier qui est fait pour les gens qui ont soif d'adrénaline, qui ont besoin de nouveaux défis, et il faut vraiment avoir la passion de l'immobilier pour se lancer là-dedans. Si j'avais à décrire Royal Lepage en un seul mot, ce serait réussite. Ce serait intégrité. Je crois que c'est une entreprise qui a su durer avec le temps. C'est une entreprise qui est centenaire. Ça a fait ses preuves et je pense que ça a une belle notoriété pour vraiment mentionner aujourd'hui la réussite, que ce soit de la transaction, du courtier, des clients. Je pense que Royal Lepage, c'est une réussite sur toute la ligne. It's a wrap.